Non, moi j'ai sorti la liste des vitamines sur internet, là, A à K. Puis j'ai trouvé l'aliment ou l'élément qui était relié aux vitamines. Puis Pascal lui a créé le dessin avec ça. Regarde la tête. Je pense que le menton, bien sûr, tourne la tête légèrement par ici. Je vais juste le tourner un peu par là. Par là? Ouais. Tu sais, la moisse des. On a des marques. On a des marques qui sont comme du contraste. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les photos plates, on veut dire, là. L'éclairage uniforme partout, puis hey, ça reste de même. J'aime ça travailler avec des éclairages beaucoup de côté, beaucoup en hauteur. Créer beaucoup de zones d'ombre. Puis des photos aussi, j'aime beaucoup saturer les images. Mais les effets, c'est plus depuis que je fais les expos avec Victor. Je suis plus porté à lâcher mon fou pour essayer des choses que je sais pas, je fais pas naturellement là, dans mes autres photos. Je suis pas mal mêlé ces temps-ci. J'aime faire beaucoup de photos commerciales. Avec les entreprises, j'aime beaucoup faire des photos de famille aussi, des photos en studio, mais ça l'amène à un autre côté que je n'avais pas développé encore, que je me rends compte que tu peux pousser loin là avec les expositions ici. Toujours l'exploration, je pense pas que tu peux avoir un petit peu développé un style, mais je pense que si j'avais toujours le même style, je m'ennuierais maintenant. Je veux pas rester fixé à un style puis être catalogué avec ce style-là tout le restant de ma carrière. Tu sais, je veux aller chercher dans un style ou l'autre, puis si y en a qui n'aiment pas ça, ben. S'il y a un style qui marche moins bien et que les commentaires sont moins bons, ben d'essayer de travailler sur une autre façon d'amener le projet. Ou... Non, je suis pas fixe sur un style. Mais sinon, mais c'est un accident la photo. C'est bête de même. Ma mère avait acheté un appareil photo à mon père dans les années 70, un Fujika AZ1, si je ne me trompe pas. Puis ça n'est jamais servi parce qu'il n'a jamais compris comment il marchait. Je l'ai trouvé un garde-robe, je suis parti avec. Puis j'ai commencé à faire la photo, puis il m'a dit « Ah, c'est le fun. » Puis de fil en aiguille, même, je suis tombé étudiant responsable du laboratoire photo au Cégep à Granby. Puis de là, j'ai rencontré un photographe de la Voie de l'Est qui lui m'a dit « Ah, j'ai étudié à Collège Marsan à Montréal. » Puis je me suis... Le Cégep, j'ai pris 2 ans sabbatique. Puis je me suis inscrit à Marsan, puis c'est... Ça n'a pas décroché. Ça va faire 19 ans que je fais de la photo. C'est pas un métier où c'est beaucoup de chance. C'est comme tout job, dans le fond, il faut que tu sois là au bon moment. Puis moi, c'est vraiment ça a déboulé dès la sortie de l'école. J'ai eu un contact pour travailler pour un photographe de Granby. Puis à partir de là, ça a déboulé. Là. J'ai parti ma compagnie, j'ai continué à travailler avec, j'ai trouvé des clients ici et là. J'ai commencé à travailler au journal après. À part que le journal, ça a ramené d'autres clients. Que ça, c'est d'en faire. C'est le seul conseil que je pourrais donner. Puis que je donne à tout le monde qui arrive avec un appareil, vous savez, c'est-tu le fun? Oui, c'est le fun, mais faut que tu en fasses à tous les jours. Mm.